Bonjour, le but de cette vidéo est de vous montrer comment ajouter une source provenant d'un site partenaire à la fiche d'une personne dans l'arbre familial. Donc ici, nous sommes dans la fiche de Marie Forest, née en décembre 1848 et mariée le 12 décembre 1874. Donc nous pouvons rechercher dans n'importe quel site partenaire auquel notre compte est relié. Et par exemple ici Ancestry. Alors le compte Ancestry aura déjà été ouvert. Notre session devra être ouverte aussi dans Ancestry. Et par exemple, nous trouvons ici une correspondance dans Ancestry qui est bien Marie Forest. Même date de naissance, même date de mariage, c'est bien elle. Donc ici on clique sur voir l'image. Il va apparaître l'image du document original. Qui est bien son acte de mariage. Après vérification, c'est bien elle. Donc, on clique ici dans la barre d'adresse, copie l'adresse, copier. On retourne dans la fiche de Marie Forest. On va pas, comme s'il s'agit d'un mariage, on ajoutera la source ici au niveau du mariage. Ajouter une source, ajouter une nouvelle source. Donc, on saisit ici l'année de mariage, 1874. On ajoute un titre à la source. Alors, donc, mariage Verne Forest. On normalise la date de l'événement. On ajoute ici, on vient coller l'adresse qui était dans la barre et on ajoute par exemple ici page 59 sur 67 donc il y a le nom, on ajoute la source à la boîte de source et on enregistre. Donc voilà, apparaît maintenant la source ici. Il suffira de cliquer, de l'ouvrir et d'accéder au document original dès que l'on le souhaite. Donc voilà comment ajouter une source issue d'un site partenaire à une fiche dans l'arbre familial.